J'arrive pas à croire qu'on t'ait jamais montré ce film. Je t'attendais pour le voir, mec. J'espère qu'il vaut le coup. T'es au courant que c'est pas une question qu'il faut se poser, ça? Tu vas voir. C'est un film sur l'amour. Salut, c'est Steve. Je suis pas là pour le moment, mais vous pouvez toujours m'envoyer un message. A plus. Allô, Steve. Ouais, c'est Jim. Bon, je sais que t'écoutes pas tes messages, mais j'aimerais bien que tu me rappelles, s'il te plaît. Je pense qu'on doit avoir une petite conversation. Allez, tu mens. C'est que c'est pas si ouf de mentir sur ce genre de choses, hein. J'ai vraiment rien à gagner. Non mais attends, tu veux me faire croire que t'as réussi à avoir un date avec Chloé Martin, donc inconcevable dès le début, et que en plus elle aurait fait ça dès le premier jour. Frère, même toi tu crois pas. Mais c'est pas ça. Je me remémore juste le bruit que ça a fait. Toute la terrasse s'est retournée, c'était royal. Mais attends, c'était pas un petit pet de princesse, hein? Non, c'était un truc de motard. Ma chaise a tremblé, mec. J'aurais pas dit, hein. Oh. Ah, t'es bon, enfoiré, t'es bon. Tu parles pas à n'importe quel enfoiré, hein. Ton frère est un futur oscarisé, mon petit père. Tu sais très bien. Ouais, tu passes le conservatoire d'abord, après on en reparlera. Quoi? Je suis pris. J'ai eu la réponse ce matin. Mais non. Tu parles au fils de De Niro, mec. Tu prends beaucoup trop la confiance, hein. Si on avait une voiture qui roulait à ma confiance, on irait jusqu'à Tokyo. Nous sommes désolés, mais le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Je savais que je te trouvais ici. C'est de la mochou. D'accord? Ça vient tout droit d'un labo paumé à Tokyo. Attends. Je sais que t'es un gars solide. Mais c'est un truc vraiment très fort. Hein. Et t'as l'interdiction formelle d'en prendre plus d'une par jour, t'as compris? Tu prends combien? Tu déconnes ou quoi? Allez, file. Merci, Scooby. On se revoit bientôt, j'espère. Ouais, je sais pas. J'espère. Well, that we don't even know how to do that. And that is us right in the middle of that class.
taking over the creating part. Now this is where I need you. You create the world of the dream. You bring the subject into that dream and they fill it with your subconscious. Ever acquire enough detail to make them think that it's real. Target locked? Target locked. Well done. Okay, helmet's on. Ça n'a pas changé ici. Répète pour voir. Je disais que ça n'avait pas changé ici. Oh putain. Si. Si, en fait, ça a changé. C'est devenu plus triste. Je classe vraiment plus de ce film alors. Oh. Tu parles ou quoi? Putain, mais. Comment c'est possible? Je te le demande. J'étais tranquille dans un endroit très loin d'ici, et v'là-t-il pas que je viens me faire déranger par mon vieux frère. Enfin, c'est le vrai toi là? C'est pas une hallucination? Mec, hier encore, tu savais rien sur ces pilules. Je peux pas en savoir plus que toi là-dessus. Hein. Sacré Scooby. J'aurais jamais dû te le présenter, c'est pour que tu te coiffes comme ça. Comment se passe, Steve? Ça fait plaisir de te voir aussi. Bon. J'imagine que si j'apparais miraculeusement devant toi, c'est pour qu'on discute, non? Ça va ou quoi, beau gosse? Vas-y, entre. C'est pas mal chez toi. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, regarde pas ça, c'est le Death Note. Trop tard. Je savais pas que tu faisais du stand-up. J'en fais pas pour le moment, j'écris juste. C'est tout ce que t'as écrit? Et genre 10 pages. Enfin, c'est pas mal déjà. Faut mieux dans les sacs. Ah ouais. Ouais, du coup c'était V1 et V2. Ouais, c'est ça. Et la VDF a été validée par Kian. Kian? De Kian Kojandi? Ouais, c'est ça. C'est un pote du BAU qui l'a présenté.
Tu vois toujours ça comme un bail? Ah, j'ai dit bail? Bah ouais, enfin même comme si t'étais au lycée. Enfin, tant mieux, hein. Enfin genre t'es avec tes potes et tout. Ah oui, non, c'est top, y a toute la SMA là, c'est tip top. Et puis y a Chloé aussi, mais bon. Mais oui, c'est vrai ça, Chloé, putain, tu m'avais pas dit, vous êtes ensemble maintenant, petit cachotier. Ouais, et elle et moi, c'est pour longtemps, mon pote. Je me sens tellement bien à ses côtés, elle est d'une douceur rare. Rien que d'en parler, j'ai envie d'être allongé avec elle dans un champ de tournesol. Pourquoi des tournesols? J'en sais trop rien. Peut-être parce que c'est sa fleur préférée qui se marie si bien avec ses yeux. Ou peut-être qu'en plus de cette maladie incurable qu'est l'amour, Murphy est l'insouciance. Ça, ouais. Enfin, elle baisse bien, quoi. De ouf. Ouais. Non, mais c'est super, je suis grave content pour vous. Et concernant le conservatoire, t'inquiète, hein. Ça va s'arranger. Pour le moment, c'est très chiant, mais c'est un rythme à prendre, quoi. Ça va aller. Ouais, enfin... Tu veux qu'on en parle? Non, 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 vraiment pas, t'inquiète. Enfin, je vais pas te faire chier avec mes problèmes. Et puis, j'ai 2-3 hésitations, mais elles vont partir aussi vite qu'elles sont venues, quoi. Ok, enfin, t'es sûr que tu veux pas en parler? Non, vraiment pas. Bon, assez parlé de trucs chiants. Tu connais The Last of Us? Je t'en veux, Steve. Je t'en veux d'être parti si vite et si loin alors qu'on s'était même pas tout dit. Sans qu'on ait eu le temps de se réconcilier. D'avoir fui tes problèmes lâchement comme ça. Comment t'as pu? Jim, t'énerve pas ou tu le regretteras encore plus. Mais tu veux pas qu'on profite l'un de l'autre? Je sais pas, on pourrait parler au moins 3 ou 4 heures de ton crâne bien luisant. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu veux toujours te faire de ta vie un putain de bon moment. Je pense que c'est ça qui t'a tué. Jim, on va en parler, je te le promets. Mais avant, je veux qu'on parle de toi et qu'on rigole ensemble. Comme on le faisait avant. J'arrive pas à le croire, putain. Tu fais exprès. Je sais que ça a été dur pour toi, vraiment. En fait, je suis même pas étonné. Mais ça allait encore plus, c'était pour moi, Jim. Qu'est-ce que je croyais? Les 6 derniers mois de ta vie, tu les passes froid et gris avec moi. Et comme par hasard, quand tu reviens miraculeusement, tu te comportes comme les 21 dernières années qu'on passait. Comme un putain d'enfant gâté qui veut juste kiffer. Calme-toi. T'es qu'un putain d'égoïste! T'as pensé qu'à ta gueule! T'es parti sans rien nous dire, sans rien laisser un mot! Que dalle! Y'a pas un jour, pas une nuit, où maman va pas se coucher en chialant! Tu te rends compte de ça? Est-ce que tu as pensé? Je sais. Je sais que je suis comme je suis. Enfin, comme j'étais. Tout le temps fêtard et souriant, c'est plus fort que moi, désolé. Mais aujourd'hui, on est enfin là ensemble et j'ai juste envie que ce moment soit l'un des plus beaux de ta vie. Alors, tu t'es exprimé sur mon départ et c'est très bien. Mais maintenant, je veux qu'on profite ensemble et qu'on se remémore toute une vie passée ensemble. Alors, on va sortir, se poser sur notre banc et parler de tout et de rien. Comme à l'époque où on partageait le foyer. Tu te souviens? Ok, Steve. Ok. Mais je veux que tu me promettes que dès qu'on rentre, tu répondras à toutes mes questions. Je te le promets. Non, mais... Ce qui me fait chier, c'est que au final, tu seras jamais l'acteur de légende que tu m'as vendu. Sérieux? Il y a que ça qui te fait chier? Bah non, mais... Enfin... C'est une belle opportunité de louper, quoi. Une parmi tant d'autres. Si tu savais combien il y en avait là-haut, des opportunités loupées. Ah ouais? Genre tu vois les morts? Bah bien sûr. Ce serait chiant à mourir sinon. Et comment il va, papa? Mieux. Beaucoup mieux.
papa est souriant et bienveillant, il fait des blagues tout le temps en plus. En gros, quand t'arrives là-bas, il garde que ta conscience et ton âme. Donc le corps, lui, il est tout neuf. D'ailleurs, tout beau, tout propre. Mais ouais. Et comment tu faisais trop le mec tout à l'heure. Très vidéo. Ouais. Tu veux une clope? Okay. Il répond ou quoi? En vrai, les gars, si vous voulez nous devancer, allez-y, on vous retrouvera après. Hein. T'es sûr? Ouais, parce qu'en vrai, on peut attendre. Hein. C'est juste, tu vois, on a peur de se faire recal, tu connais. Ouais, bah. Allez-y, on se retrouvera plus tard dans la soirée. Vas-y. Ramène-lui un grec en ça, parce qu'il avait pas l'air très bien tout à l'heure au Paname. Au Paname? On est vendredi? Ouais, 23. Et pas 7 tout à l'heure. Ok, merci Scobie. Steve? Steve? C'est moi Jim, t'es là? Steve? Je t'ai ramené un grec, hein. J'ai oublié de dire que ton estomac criait famine. Steve? Steve? Putain, il est où? Ah, t'es là. Je me sens tellement mal chaque jour, tu sais. J'ai vraiment l'impression que c'est de ma faute. Mais pourquoi? Bah, on était en embrouille. T'as fini ta vie en froid avec moi, et puis... je suis pas venu te voir au Paname. Je t'ai mis la pression pour le conservatoire. Non, mais mec... Faut vraiment pas que tu... Ah! Bah, qui voilà? Il a pas l'air si content de te voir. Sûrement parce qu'il a pas pris de pilule. Bon, je vais te devancer et te laisser avec ton... Enfin, mon pote. Ok. À tout à l'heure. À toute. Alors? Il est parti, là. Qui, Steve? Ouais. En tout cas, je suis content si ça t'a fait un peu de bien. Au fait, tu l'as prise à quelle heure, la pilule? Vers 2h30, je dirais. Oula! Bah dépêche-toi mon pote, hein. Tu vas bientôt te réveiller là. Mais je dors pas là. Tu devrais te grouiller là. Il te reste 5 minutes de sommeil à tout casser. Voilà. Je t'écris enfin ces mots afin de pouvoir te dire adieu comme il se doit. Tu m'excuseras ces paroles sur papier, mais j'ai promis de t'éclaircir sur ce sujet et je tiens toujours mes promesses. C'est vrai que j'avais pas mis de lettres, ce qui rendait ma mort bien trop originale. Non, tu n'es pas du tout responsable de ma mort. Je n'aurais jamais fait ça juste parce qu'on était en froid ou que t'es pas venu à ma scène. Je t'en voudrais jamais, je te promets. C'est à cause de plein de choses qui viennent en partie de moi, de ma vision du monde. J'étais dépressif de mon vivant et je vivais quelque chose de très complexe. Et j'ai fait un acte ultra égoïste, c'est vrai, mais le monde m'était juste invivable. Et jouer constamment le rôle du mec content, ça commençait à être très lourd pour moi. Je sais que j'étais quelqu'un de très compliqué et je te l'ai toujours caché. Je pouvais pas te faire chier avec mes problèmes, briser l'exemple que je t'ai toujours donné. C'est pour ça que je suis parti. Je voyais le monde comme une vaste clairière noire, hantée par tous ceux qui l'habitent. Mais c'est mieux sans moi pour toi. Un monde sans mensonges. Maintenant, petit frère, faut que t'acceptes. Steve! Faut que tu me laisses partir. Mais tu dois continuer. Ta vie est belle, donc va loin. Tu n'as jamais eu besoin de moi, mais ne m'oublie pas. Tu sauras faire bon usage de mes mots, j'en suis sûr.
Tu sauras faire en sorte que je sois là. C'est ça, un souvenir. C'est rendre quelque chose de lointain plus proche de soi. Et n'arrête jamais. Reprends le dessin, vide cette belle passion, rends-toi fier. Ris mon frère, ris, chaque instant. Pleure, confie-toi, pas comme ton vieux frère. Tes souvenirs, c'est toi. Et quoi qu'il arrive, je te verrai de là où je suis. Je t'écouterai. Je serai toujours là. En toi. I can see our future days, days of you and me. Back when I was feeling broken, I focused on a prayer. You came deep as in the ocean. Something out there, here. All the complexities and games, no one wins, but somehow they still play. All the missing crooked hearts, they may die, but in us they live on. And I believe, and I believe, 'cause I can.